tout le monde, c'est Elnora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de A Plague Tale Requiem, un jeu édité par Focus Entertainment et développé par Asobo Studio. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe. Let's go! Ok, alors dans les collectibles, il nous restera plus qu'une fleur. Alors je sais pas si ce sera ici ou si ce sera dans le dernier chapitre. Ils ressemblent à une vraie armée. C'est le cas. Maintenant qu'Hugo est devenu leur chef. Ça a toujours été son jeu préféré, la conquête. Eh ben, c'est un rêve qui se réalise. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas pu, lors du chapitre 7, obtenir les 5 succès en lien avec l'amélioration des outils, eh bien, vous pouvez le faire ici, dans ce début du 16e chapitre. Bien, mettons-nous au travail. Moi, je vais voir si je peux quand même améliorer un petit truc. On va améliorer la fronde à fond. C'est bien mieux. Voilà. Regardez qui s'en est sorti. Un œillet. C'est la première fleur qu'Hugo m'a offerte. Juste avant qu'on te rencontre, Lucas. Ah, je me sens vieux maintenant. Cette fleur va sûrement lui ramener le sourire. Oui. Et voilà. Et normalement, vous devriez avoir obtenu votre succès d'herboriste. En lien donc avec le fait d'avoir récupéré toutes les fleurs. Bravo à vous! Niveau collectible, on n'a plus rien à se soucier du coup. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est? Lui, tout ça. Il ne fait plus qu'un avec la macula. On doit vraiment plonger là-dedans. Je suis désolée. C'est pas grave. Je me suis assez amusée, j'imagine. Et mon bateau est fichu, de toute façon. Dis-moi seulement si on a une chance. Si on arrive jusqu'à lui, peut-être. Mais ce sera une longue plongée. Écoutez, j'y vais. C'est à moi de... Amicia. Nous avons besoin de tout ce qu'il relie à ce monde. Et nous sommes tous liés à lui. Alors... Alors on plonge. Ah!
aussi? Elle est cassée? Non, non, c'est juste... Est-ce que ça va? Sophia est blessée! J'essaie de vous rejoindre! Bouge pas! Je te l'avais dit, je suis pas faite pour la terre ferme. Quant aux atterrissages, c'est encore pire. Pardon. Ne t'excuse pas. Tu nous as tellement aidés. Lucas et moi, on avait déjà fait ça avant. Plus ou moins. Il n'y aura pas de marin à la fin de cette histoire. C'est triste. Va. Et reviens avec lui. On se reverra, toi et moi. Continue. Hugo est tout prêt. Il faut trouver Lucas d'abord. Alors, du coup, j'y vais toute seule, là. Et puis, bah, il n'y a plus rien à ramasser. On reviendra te chercher. Je sais. Allez, vas-y. Que je me rende où ? Ne t'inquiète pas, je serai derrière toi. Ok. Attends où ? D'accord ! Là-bas. Alors attends, est-ce qu'il faut que j'ai un visu dessus ? Alors, le prochain, il est là-bas. Cours, 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 cours. Aller là-bas.
arrive, allez, 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 allez. Ouais. On y est. Je crois. On est en sécurité. Pour combien de temps? Il est là, Lucas. Regarde-toi. Caché sous une couverture. Comme quand t'étais triste. La nébula se condense autour de lui. Ça doit être terrifiant là-dedans. Tu sais ce qu'on va y trouver? Difficile à dire. Essaie d'imaginer un creuset géant où la macula, Hugo et la nébula ne font qu'un. Les visions d'un enfant trahi qui s'évapore dans l'atmosphère et change le monde. C'est ça, le dernier seuil. Les lois de la nature n'ont plus cours. Alors on doit le traverser aussi. Pour atteindre ton frère, oui. D'accord. Respire un grand coup. Non. Ta priorité. Allez, par là. C'est Hugo. Trouve-le. Ça change de couleur. Impossible. Un phénix? Ici? Encore un autre. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? C'est quoi cet endroit? On va suivre les phénix. Les phénix, ils signifiaient quelque chose. Ils montraient la voie. Ils mènent sûrement à lui. Est-ce que je perds la tête? Hugo! Alors, c'est toi qui fais ça? Par là? Les lois de la nature n'ont plus cours. Oui. Raccroche-toi à ça. Donc là, on va suivre la direction des phénix. Non. C'est toi. Hugo ! Oh, merci, Seigneur ! Où es-tu ? Je suis là. Tout proche. Je ne te vois pas ! Parce que tu regardes encore en arrière. Il n'y a que ces oiseaux, ici ! Ils montrent la voie, n'est-ce pas ? On a essayé cette voie, Amicia. Et c'était un mensonge. Pas entièrement ! Il y avait une part de vérité. C'était un mensonge, et ça a apporté la mort. Ce sont les gens qui l'ont apporté. Hugo, je dois trouver une voie pour te sortir d'ici. Trouve de nouvelles voies. Les choses ont changé, mais tu continues de penser qu'elles sont pareilles. J'essaye. Alors attends, si c'est pas ça, une nouvelle voie... Réfléchis, Amicia. Il est
forcément tout prêt. Oh, fais quelque chose. Fais quelque chose. Ta nouvelle voix. Pourquoi tu continues à suivre ces oiseaux ? Je suis perdue, Hugo ! Je sais pas quoi faire ! Cet endroit appartient au passé. Quitte-le. Trouve ta propre voie. Donc, il faut que je trouve une voie de sortie. Je sais pas du tout si c'est par là. Alors attendez voir. En plus j'ai pas d'armes. Ah si, j'ai des armes. Est-ce que si je casse peut-être ? Non, ça sert à rien. Une nouvelle voie. Une nouvelle voie. Une nouvelle voie. Alors, mis à part les petits trucs en bois et les oiseaux, il y a le soleil par là. Ah, ça devient rouge. On revient en arrière, alors peut-être. Je regarde dans le dos des... S'il te plaît, j'ai besoin de te voir. Je suis fière de toi. Où es-tu ? Je suis là. Hugo ! Viens ! Viens ! J'ai cru que je te reverrais jamais. Moi aussi. J'ai eu tellement peur. Mais t'y es arrivé. Tu peux marcher ? Oui. Tu sais comment sortir d'ici ? Oui. Suis-moi. Allons-y. Quittons cet enfer. D'une façon ou d'une autre. Amicia, je croyais que tu étais morte. J'ai vraiment cru. Je sais. J'ai cru que j'étais tout seule. Alors j'ai fait une bêtise. Hugo, on a fait tout ce qu'on a pu. Mais c'est une grosse bêtise. Plein de gens meurent maintenant. Je le sais. Et c'est que le début. Il faut qu'on parte d'ici. On peut encore arrêter ça. Trouvons la maison de mère. Et commençons à vivre. Pour de vrai. Mais... on l'a mérité. Cet endroit me dit quelque chose. La sortie est par là, tout au bout. Bonjour.
Est-ce qu'on peut vous aider? Bonjour. Je vous ai déjà vu. Hé! Qu'est-ce qui vous arrive? C'est le garçon! Il l'a tué! Je suis désolée. Tué? Mais quoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. C'est moi qui l'ai fait. Comment? Je vois aucun rat! C'est la bêtise que j'ai faite. C'est ce que je suis devenue. Ne restons pas là! Viens! On doit arranger ça, Amicia. On va trouver une solution. Mais d'abord, il faut partir d'ici. Oui. Regarde-les. J'aimais tellement cet endroit. Et ces gens. Tu dois arrêter ça! Mais je peux pas. Concentre-toi! Tu l'as déjà fait! Tu as déjà tout oublié? C'est un mensonge! C'est la Macula qui nous joue des tours! Je suis la Macula maintenant! C'est moi! Quoi? Non! Tu savais que ça pouvait arriver! C'est trop tard! Non, non, non! J'ai laissé la Macula prendre toute la place! Et voilà ce qui se passe! Je sais. On doit faire quelque chose. Il faut empêcher les gens de mourir. Peut-être que si on s'en va, ça s'arrêtera. Hugo, ça peut s'arrêter? Je les mange, Amicia. Pas seulement eux, mais tous les autres aussi. Et toujours plus à mesure que les rats se répandent. Alors c'est la fin? Pas encore. Il nous reste une chance. La toute dernière. Dis-moi, je ferai n'importe quoi. Je crois que tu le sais déjà. Je... Tu dois m'arrêter. Ah non! Ah non! Ah non! Pour arrêter la Macula. Hugo, tu peux pas me demander ça. Tu es la seule à pouvoir m'empêcher de devenir un monstre. Tu n'es pas un monstre. Je vais le devenir. Si je tue tout ce que j'aime. Toutes les belles choses que tu m'as montrées. Je comprends, mais... S'il te plaît. Je vais essayer. Attends, attends, il est pas en train de demander... Est-ce qu'on le tue quand même? Oh purée! D'accord. Et maintenant, Hugo? Où es-tu? Où es-tu? Je suis désolée. Mais tu es prête maintenant pour tout sauver. Prête? Comment je pourrais être prête? Je sais. Mais je ne peux plus m'arrêter. Il n'y a que toi qui peux le faire. Hugo! Je t'aime. J'ai été heureux avec toi. Oh non! Au revoir, Amicia. Je t'aime. Je t'aime tellement. Oh non, me demandez pas ça, s'il vous plaît. Mais quand tu seras parti. Il ne restera plus rien. Je serai seule. Toute seule. Oh non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Je peux pas. Oh, moi non plus, je peux pas. Lucas? Je suis là. Je suis là. Oh, non. Tu peux te lever? Oui. Il est là. Oui.
sais ce que tu dois faire? Oui. Faut que je le tue. Oh, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Amicia, on y est. Je sais. Oh non, 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 je suis pas prête à ça. Purée!
semble plus haut à chaque fois. Oh, Sophia. Tu es venue. Bien sûr. Je voulais pas rater ça. Attention, je sens le vieux Book. Alors dans ce cas, bienvenue chez toi, vieux Book. Comment tu te sens? T'es prête? Oui, je crois. Alors on n'a plus de temps à perdre. Attends. Bien, allons-y. Comme tu veux. J'ai laissé les chevaux plus haut. Alors, qu'est-ce que t'as fait ces derniers mois? Je marche, je répare la maison. J'essaie de m'épuiser. Et ça marche? Ça va mieux. Ouais. Bien. Je me suis beaucoup inquiétée, tu sais. Je vais bien, Sophia. Ça fait un an. Oui, déjà. Et comment vont les affaires? Ça va. Je fais dans le commerce légal ces temps-ci. Oh! Comment ça se fait? Eh bien, j'ai envie de vivre plus longtemps. Ah oui? Je préfère une mer d'huile à une tempête. À propos, on lève l'ancre demain. Parfait. Parfait. Et notre alchimiste vient? Lucas? Oh, non. Il est encore sur la route, à étudier. Tout seul? Il grandit si vite. Il en avait besoin. Ouh, ça se rafraîchit. Attends le pas, ça nous réchauffera. Alors, tu sais vers quel rivage tu veux qu'on t'emmène? Pas encore. Mais je pense que je le saurai quand je croiserai les signes. De la Macula? Oui. Elle laisse des marques sur les choses et les gens. Je pense pouvoir trouver où les prochains porteurs et protecteurs verront le jour. Le prochain fléau. Je veux leur montrer la voie, comme Aelia l'a fait pour nous. Inutile que je te dise de trop poser, alors. Exact. Très bien. Oh, ça sent si bon. Et ce silence. Ouais, ça va me manquer. On arrive. Les gars, voici Amicia. Soyez gentils. C'est un grand jour. Salut. Tu peux m'attendre un peu? J'ai une dernière chose à faire. Vas-y, je ne suis pas pressée. J'ai encore mal au dos avec cette route. Pas de tempête en vue? Je n'en vois aucune à part toi. Ça ne prendra pas longtemps. Ça va aller. Peindre le sommet? La mer va me sembler tellement plate après ça. Allez, tu y es presque.
chance. Je crois que c'est un tombeau. Salut. Oh non, c'est trop triste, je peux pas. Jamais ici avant. J'ai toujours su que tu te ferais facilement des amis. J'étais pas sûre d'être prête, mais Sophia est là. On n'a jamais abandonné, pas vrai? On a tenu. Puisse cette terre se rappeler à quel point tu l'aimais. Puisse-t-elle se rappeler tout ce que tu as donné pour la sauver? Je m'en souviens. Et je ne laisserai personne l'oublier. Alors voilà, on a terminé enfin l'aventure de A Plague Tale. Franchement, elle est triste à souhait. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir un troisième épisode avec Hugo et Amicia, parce que voilà, c'était la fratrie idéale, on va dire.
Mais ce sacrifice-là de Hugo, demandant voilà, à sa sœur de, au final de le tuer, parce que c'est la seule et unique manière de pouvoir arrêter le fléau, et ben franchement, ça, je m'y attendais pas. Un petit garçon plein de maturité, vraiment. Comme vous pouvez le voir là sur la fin, vous pourrez recommencer une partie New Game Plus. Et comme c'est écrit là, en recommençant une nouvelle partie, vous avez toutes les améliorations déjà débloquées, toutes les capacités qui sont déjà débloquées. Donc pour obtenir les capacités qui vous manquent ou les améliorations qui vous manquent, vous n'avez qu'à recommencer une nouvelle partie New Game Plus et vous pourrez ainsi obtenir les succès qui vous manquent de manière beaucoup plus aisée. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre, mis à part que ce fut un très bel épisode, vraiment un mélange d'action et d'infiltration, parfois un peu trop à mon goût, je trouve. Mais voilà, ça c'est mon avis personnel à moi, avec un arrière-goût d'Assassin's Creed, j'avais l'impression à certains moments. Mais une très belle histoire, vraiment, une fin inattendue. Voilà, des personnages toujours aussi attachants, Sopha et Arnaud ont vraiment apporté un petit plus à cette fratrie. Et je ne sais pas s'il y aura un troisième épisode, mais en tout cas, je me réjouis de pouvoir le découvrir. Allez, moi, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas surtout à me rejoindre sur YouTube, à mettre un pouce sur la vidéo, à me rejoindre également sur Twitch et sur Twitter. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Qui sait ? D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.